Hello tout le monde! Hey boy, la grosse face, hein? Salut tout le monde! Bon vendredi! Ok, qui est dans le vendredi? Hey, j'ai donc peut-être la misère à placer mes caméras. Je suis sûre que vous êtes en train de rire de moi. Hein? En même temps, comme ça. Allô Mélanie! Allô Mélanie! Allô Maryse! Oh, quel beau nom, Maryse! Que tu as! Hey! Qui est content? C'est vendredi! Wow. Hey, moi, avant, là, c'était pas significatif, pas en tout. Bon, ça l'est pas tant dans le sens que si j'ai envie de travailler, je le fais. Mais vraiment, je suis contente premièrement. Merci à tout le monde d'être là. Merci infiniment. Il y a toujours quelque chose avec ma caméra. Arrêtez de rire, arrêtez de rire. OK, comme ça. Bienvenue à Simplifions la cuisine avec Maryse Belvin. Là, j'ai une grosse primeur pour vous autres. Mon livre est enfin envoyé à l'imprimer. Enfin, enfin, enfin! Alors, si vous avez envie d'avoir un livre de recettes, eh bien, il va y avoir la première édition papier. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe juste au-dessus parce que c'est une primeur et une exclusivité pour les membres de mon groupe. Qui est excité? Mettez les petits cœurs! Ouais! Enfin, vous allez avoir un livre de recettes pour vous autres avec toutes les recettes 5, 10, 15 que je vous ai faites, il va avoir. Et Bureau Tupperware Les Diamants, n'oubliez pas de rejoindre le groupe si vous voulez votre copie de la première édition de Simplifions la cuisine avec Maryse Belvin. Oh, hey, le logo est tellement beau! Je suis tellement excitée! Je suis tellement excitée! Du coup. Et là, aujourd'hui, bon, là, je vais vous raconter une petite anecdote parce que j'ai fait du caramel cette semaine. Ou la semaine passée, je pense, lundi. Lundi, j'ai fait du caramel. Et là, je l'ai amené chez ma soeur. Et mon fils était fru. Parce qu'on l'a tout bouffé. Fait que là, j'ai fait, OK, je m'en vais sur le bureau Tupperware Les Diamants aujourd'hui. Il faut vraiment que je leur montre aussi le caramel. Parce que vous allez triper sur le caramel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, vous allez faire, oh my God! Vraiment, qui aime le caramel? Allez, là, dites-moi là qui aime le caramel parce que moi, c'est vraiment, je ne suis pas une bébête à sucre, OK? Mais quand je l'ai vu, j'ai fait, oh my God! Sérieusement, je me bourrais en face à pleine cuillère dans le caramel. C'était tellement bon. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de partager. Parce que la dernière fois, on a eu un partant, on a eu 15 partages. Il faut absolument battre le 15 partages aujourd'hui, OK? Alors, allez partager partout, 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 parce que on veut battre notre propre record! Ouais! Je le fais cet après-midi! Oh yes! Ma belle Sylvie! Hey, là, il faut que tu nous le prennes en photo et il faut que tu nous le dises. Hein, on a Sylvie qui dit « Moi, j'aime vraiment le caramel. » Alors, je vous le dis. Et en plus, aujourd'hui, j'avais la personne... Non, mais ça, c'est un rêve, là. La personne qui fait mon entretien ménager. Oh, OK. Dans votre vie de rêve, là, y a-t-il quelqu'un qui fait l'entretien ménager chez vous? Allez me marquer dans les commentaires. Fermez vos yeux, là. Et imaginez que vous rentrez dans votre maison et il y a quelqu'un qui a fait le ménage. Ah! Oh. Mettez des petits cœurs, marquez-moi « Oh oui » dans les commentaires parce que c'est la réaction que ça crée. Okay. Hein, marquez-moi, est-ce que ça ferait partie de vos rêves, ça, d'avoir quelqu'un qui fait l'entretien ménager, je vous le dis. Oh yes, Mary! Mère Pierre! Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand quelqu'un fait ça. Et là, elle a tout fait ça. Fait que j'ai pu me permettre d'être avec vous plus présente. Alors, on partage partout, partout, partout parce que je veux combattre notre record. Et en plus de ça, ça vous paye de battre votre... Ça vous paye de battre mon record parce que si vous partagez, hein, pour les emballages, on a des emballages de 100 pour 40. Hey, c'est du Tupperware à 60% de rabais, ça. Non, on aime ça. Faut que vous nous écriviez. Nous, on prend les noms en notes, mais c'est à vous de nous écrire, de dire « Je veux mon emballage de 100 pour 40. » Puis tu sais quoi, si à chaque semaine tu gagnes, tu peux garder ta boîte et on te la ship quand tu en as un ou deux ou trois. Puis en plus de ça, si tu participes aux activités de vente sur mon groupe, parce qu'il y en a tous les jours, là, c'est vraiment le fun, plein d'exclusivité, ben tu vas aller, tu peux garder ta boîte pour le mois. Fait que tu n'as pas de stress avec ça d'être obligé de payer le transport à chaque fois. OK?
keep it simple. OK? Alors, on aime ça. Et là, je vais partager dans ma story. J'ai partagé sur ma story, sur mon profil personnel. En fait, je suis en live, ces deux places, on aime vraiment ça. Quand je travaille, j'avais un homme de ménage. Oh, ça doit être le fun en Véro. Oh. Il était-tu en petit tablier, genre? Pas pour rien en dessous? Hey, non, mais pourquoi pas? Ah oui, ça serait sa coche. Moi, ouais, je pense que je vais me trouver un homme de ménage, puis je vais y mettre juste un tablier. Avez-vous des références? Avez-vous des références, enfants? Alors, OK, marquez-moi. Je veux savoir dans les commentaires, êtes-vous plus sucré ou salé? Parce que là, il faut battre 200 commentaires. Et fait que marquez-moi, êtes-vous plus sucré ou salé? Moi, je suis définitivement salée. Par contre, ce genre de recette-là va chercher un petit côté que j'ai moi. Parce que moi, je peux manger 2 pots de guacamole. Mais manger une barre de chocolat au complet, j'ai comme l'espèce d'écœurantite là, qui se génère automatiquement parce que je suis pas tant caramel, je suis pas tant sucré. Fait qu'on a sucré, salé, hein, et après, à chaque 25 commentaires, vous avez un emballage de 100 pour 40$. Oh! Tu les ramasses toutes ensemble. Pour ma page, pour mon profil personnel à moi, c'est moi qui le fournis pour Bureau Tupperware les diamants. Je vais tout de suite vous mettre l'image pour que vous puissiez les réclamer. Ben, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit « Marie, j'ai jamais reçu mon emballage. » Ben non, mignon, il faut que tu le réclames parce que nous, on ne sait pas t'es qui. On n'a pas ton adresse. On ne sait pas si... je vais vous mettre comment les réclamer pour le Bureau Tupperware les diamants, OK? Pour que ça soit une expérience agréable puis que vous puissiez les avoir, vos emballages. Là, on veut vraiment que tu puisses les avoir. Fait que pendant que le caramel va cuire, je vais aller vous mettre ça. Oh, il y en a qui sont les deux. Oh, Sylvie, t'es une coquine, toi. Et Sylvie, l'autre Sylvie vient nous dire que malheureusement, il n'était pas en tablier avec rien en dessous. Moi, je suis salée, mais j'aimerais... hier, bleu... Attends, je vais le lire ici. Moi, je suis salée, mais j'aime bien à l'occasion manger du sucré. Puis il y en a qui sont sucrés, salés. Hein, justement, les deux. Aujourd'hui, la recette que je vais vous faire, elle est dans le super pot. Et vous pourriez la rajouter en caramel salé, en caramel avec des noix. Faites ce que vous voulez dedans, OK? Le sucre me lève le cœur rapidement. Martine, je te comprends tellement. Je viens comme... plus capable. Je suis plus capable. Mais ça, par contre, Martine, j'ai pris 2 cuillères à soupe. Puis, il y en aurait rentré une troisième. Et c'est dans le super pot, OK? Quelle recette vous faites dans le super pot? Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui ne le maximisent pas non plus, le super pot. Jacob va être content. Et je te le dis, Jacob, il était vraiment fru. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, on va en refaire, là. Parce que sinon, il va me faire une montée de yoga. Tu sais, le foulado à 15 ans. Là. Je suis bon. Puis, je ne l'avais pas montré à Bureau Tupperware les diamants. Puis, aujourd'hui, justement, ma belle France qui fait l'entretien ménager m'a dit, j'ai fait du caramel cette semaine, je l'ai scrampé. J'ai dit, cette recette-là, France, mais tu prends ta marche tout à l'heure parce que c'est ma voisine. Alors, repart, je vais t'en donner un morceau. Tu vas voir, tu ne pourras plus jamais scraper ta recette de caramel. Et on va la couler dans les moules en grains sains pour pouvoir la donner en cadeau. Fait qu'on va les congeler là-dedans. Ça va faire un bâton qu'on va pouvoir mettre. Tu sais, les annonces de chocolat chaud, Baileys ou des affaires de même, là. Café niaiseux qu'on appelle, là, que tu as trop mis d'alcool dedans dans le temps des fêtes. Ben, on va y mettre là-dedans. Hey, je vais aller chercher ma bouteille d'eau, OK, les amis? J'ai oublié de l'amener. Hey, Martine a dit « Faire cuire sauce à spaghetti. » Ah ouais, merci. Hein? Martine a dit « Je fais ma sauce à spag là-dedans. » donnez-moi d'autres idées pour pudding chômeur. T'sais, c'est tellement facile puis user-friendly. En plus, ça, Martine, si t'es d'accord avec moi. Là. Alors, hey, ça va bien, on est déjà à 5 partages. Ouh, ouh! OK, on continue. Faut qu'on batte le 10 partages. C'est le record qu'on a eu la semaine passée. OK? Fait qu'il faut qu'on batte ça et 200 commentaires. Puis pour vrai, j'aimerais vraiment ça parce que une petite compétitive en moi, tu sais. Si mon perso, on est rendu à 4. Let's go. Partagez. Des recettes, on a tous de besoin. Des idées, on a tous de besoin. Puis là chez moi, ça, je vous jure, ça goûte le Weathers Original. Tu sais, les bonbons, là. C'est merci à Colette. C'est Colette qui m'a donné cette belle recette-là. Puis je la remercie. 6 ingrédients. Tu les as toutes chez vous, je suis à peu près sûre. Du beurre, tu as ça chez vous. OK? Du sucre.
de la cassonade, de l'extrait de vanille, du lait condensé puis du sirop de maïs. Au fait, mon sirop de maïs, ça fait tellement longtemps que je l'ai, qu'il est passé date. Puis là, j'ai fait, hey, voyons donc, penses-tu vraiment qu'il y a du sucre, ça passe date? Hey, moi, ça me fait rire, ça. Sérieusement, là. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la recette de caramel à tartiner? Ah, oh, j'ai quelqu'un qui m'en a mis une sur mon groupe en plus. Une recette de caramel à tartiner. Sylvie, je vais te retrouver. Elle est sur le groupe en quelque part. Qui me l'a envoyé? Ah, oh, Seigneur. Je vais refaire une demande. Je vais refaire une demande. Mais si vous voulez la recette en plus, là, elle est gratuite. Elle est pour vous. Rejoignez mon groupe VIP, mes amis. Et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir le livre de recette. Ah, ça fait un mois là, que j'en parle parce que là, je l'ai envoyé. Il y a eu des corrections. Il y a eu des corrections. Je tenais à vous en parler. J'ai hâte de vous le donner. OK? Alors, on y va. Très, très facile. Mais regardez bien l'instruction. Ça, c'est le genre de recette. Et non, ça passe pas date. C'est du sucre. Je suis comme, c'est vraiment n'importe quoi. Là, il la met pour que tu la jettes puis t'en rajoutes un autre, là, OK? Tu sais, Best Buy, je suis même... C'est passé date depuis le mois de mai. Hey, I don't care, OK? Non, mais sincèrement, j'étais comme, c'est vraiment du marketing. Même les yogourts, là, l'autre jour, on avait... je pense qu'il s'appelait Marc, qui nous a dit que ça passait date, genre un mois plus tard. Arrêtez de jeter des affaires. Goody, là... OK? Il y en a-tu qui ont été élevés comme moi, là, que ton père, là, il enlevait la croûte de fromage qui avait d'un petit peu de mini-couleur, puis qui disait, eh non, oui, c'est déjà des bactéries, là. Je veux dire, tu penses le bleu, ils le font comment? OK? Tu sais, il faut vraiment arrêter de jeter pour rien, là, tu sais, je vous le dis. Fait que, la recette, c'est mettre tous les ingrédients dans le top room. J'adore ça. OK. On vient de constater pas de sirop de maïs. Oups, on se reprend pour la photo. Oh, t'en veux-tu? J'en ai du passé date. Hein? Roxane a dit, cette façon de faire le sucre à la crème, c'est la seule que j'arrive à réussir. Hey, join the club, Roxane. Non, mais moi, faire du ça, là, avec un thermomètre, puis là, c'est compliqué. Non. Non, non, non. OK? Alors, c'est juste qu'ils doivent mettre une date. Ouais, je sais, là, mais tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Hein? Ça passe pas date. Les œufs, c'est fou comment que c'est bon longtemps. T'es loin un peu. Mais non, juste un petit peu, Sylvie. Hein? Juste un petit peu. Surtout qu'aujourd'hui, il annonce la pluie verglaçante, je pense. C'est comme... Je trouve ça vraiment le fun d'être en live aujourd'hui. Alors, on y va avec un quart de tasse de beurre. OK. Moi, je sais pas chez vous, là, mais le beurre, ça devient toujours une catastrophe tout le temps. Je pense toujours à mon ami Eric qui, lui, il prend le beurre comme un tableau. Là. Il faut pas que tu touches le beurre dans le haut. Il faut pas que tu touches... Le beurre, il reste toujours parfait. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai des enfants que ça devient toujours une catastrophe. On a des petits bonhommes qui rient, là. Non, mais avouez. Moi, à chaque fois que je regarde le beurre, je fais « Calme, qu'est-ce qui s'est passé avec mon beurre? » C'est passé qu'il y a un ado. Hein? Alors, un quart de tasse de beurre pour commencer. Fait qu'on va licher le fond qui est tout massacré. Hein? On veut pas jeter du beurre au prix que ça coûte. Et en plus de ça, aujourd'hui, si vous rejoignez le groupe, vous allez avoir les top 3 spéciaux de la semaine parce que je trouve que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui épluche un peu les spéciaux pour nous et qui nous les partage. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les top 3 des spéciaux les plus wow dans les magasins. Fait que ça va vous permettre d'aller faire votre shopping vraiment plus. Un ours a passé. Hein? Chez nous? Ah oui! Tabarnouche. Non, mais vous avez le droit de rire. Hein, j'ai fait un fudge en 2 minutes, 3 ingrédients. Qui capote sur ce mode de vie-là? Alors, vous voyez que c'est le fun de partager les lives pour ça. Parce que comme ça, on a plus de gens. Premièrement, ça coûte une beurrée du caramel. C'est pas vrai que je vais acheter du caramel quand ça coûte rien à faire. Une demi-tasse de sucre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait du caramel dessus. Une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse de sucre. Ensuite de ça, une demi-tasse de cassonade. OK. Là, si tu cherchais une recette santé, c'est pas la bonne. Mais, c'est une recette au moins que tu as faite. OK? Et grâce au modulaire, si vous êtes d'accord avec moi, tout est toujours parfait dedans. T'as pas de casse en tête de ma cassonade, elle va être dure. Un jour, quelqu'un me dit, oui, mais tu sais, tu peux la réchauffer ou mettre une moitié de pain ou un si. Hey, non, mais tableau. OK?
sérieusement, si je peux juste la flanquer dans le plat, puis arrêter de me casser la tête, êtes-vous d'accord avec moi que c'est vraiment cool? OK. Alors, moi, j'aime ça quand c'est simple. Y en a-tu d'autres comme moi? Hein, allez dans les commentaires et marquez « Keep it simple ». OK? On a Roxane qui dit « Oh Seigneur, moi, il y a une technique pour prendre mon beurre et c'est quand on a... Fait que toi, Roxane, je te montre mon beurre. Oh mon Dieu, t'as-tu vu son beurre? Moi, j'ai lâché prise sur le beurre. J'ai lâché prise sur ce qui a l'air, je vous jure. Ensuite de ça, une cuillerée à thé d'extrait de vanille. Moi, je vais en mettre une demi parce que c'est du concentré. Sinon, ça va être vraiment trop fort. Ah! Ça va goûter beaucoup la vanille. Soyons, c'est très bon de la vanille. OK. Ensuite de ça, on y va avec... Là, je vais vous faire un petit keep it simple. Marquez-le dans les commentaires. Keep it simple. Sinon, tu le feras... Sinon, tu le feras pas. OK? Ensuite de ça, on met du lait condensé. Une demi-tasse de lait condensé. Même. Puis là, je vous ferai la prochaine fois le caramel à tartiner. C'est vrai que ça serait le fun à voir aussi. Mais là, je dis, je n'attendrai pas trop à mon enfant parce que mon petit loup, déjà, je l'ai taquiné beaucoup. Là. Ouais, je suis un petit peu coquine des fois. On pourrait appeler ça le bord des baveuses. J'ai envoyé des photos. Puis je veux qu'il se détraumatise, là, tu sais, de toujours être en train de comme, tu sais, les ados, tu l'as amené. Non, là, je le taquinais un peu. Ah, il y en a plein qui nous marquent Keep it simple, on aime ça. Et ça compte dans les commentaires. Je peux caler l'écrire juste pour le fun. Hein? Parce que pour vrai, des recettes compliquées, on n'a pas envie de faire ça. Puis j'ai presque fini, il me reste juste une demi-tasse de sirop de maïs. Et là, on va faire le 6 minutes ensemble parce que je veux vraiment que vous voyez la texture. Parce que quand j'ai vu la texture, j'ai fait, oh my God, c'était tellement bon, là. OK? Et là, en plus de ça, ça me permet de passer le sirop de maïs et le lait condensé parce que sinon, je pense que je vais refaire une autre recette après. Puis je vais congeler tout de suite les cadeaux de prof parce que ça, c'est un beau cadeau que tu peux donner au prof. Et là, ensuite de ça, on va tout mélanger et on va envoyer ça 6 minutes. Et à toutes les 1 minute et demie, on va pouvoir le sortir, le brasser. Et ça empêche que ça va déborder. C'est ça qu'on m'a dit. Ça empêche vraiment que ça déborde du... Parce que sinon, si tu le mets 6 minutes, le watch out ton microwave, OK? Il va y avoir un méchant nettoyage à faire dedans. Fait que là, on va l'envoyer et je vais vous le montrer au fur et à mesure. Là, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment wow. Qui est capable de sa recette? Marquez-moi, oui, je vais le faire. Allez marquer oui dans les commentaires parce que je suis sûre que vous faites tout. Oh my God, j'adore les recettes simples pour faire des cadeaux. Ça, il y a de l'amour quand tu le donnes, pour vrai, là. Ça fait une différence, là. Et là, on met 6 minutes et à chaque 90 secondes, on va aller le faire. Hey, marquez-moi, c'est quoi? Hein? Qui mange justement le caramel? Qui m'a marqué tantôt? Je vais le faire. Je vais le faire ce week-end. Yes, sir, Sylvie. Hey, on va-tu voir, on est rendu à combien de commentaires? Parce que là, on va pouvoir faire des... Hein? Oui, je vais le faire. Oh, je suis contente. Tout le monde, vous allez capoter sur cette recette-là de toute manière. Et n'oubliez pas de rejoindre le groupe pour vraiment l'avoir et pouvoir... Salut, ma belle Maryse! Hey, ça va super bien, ma belle Joanne! Et là, en attendant, allez-y, go! Partagez pour qu'on puisse faire tirer à 25 commentaires. Un emballage de 100 pour 40, puis c'est Maria qui fournit. OK, l'autre base, c'est moi qui le fais. Le caramel, tu le fais, Maryse, cuire. Oui, là, on va le faire cuire. Vous allez voir, là. Là, on check le 90 secondes. On n'est pas tout à fait rendu. On va aller le brasser une première fois pour pas que ça déborde. Là, en attendant, tu peux... Oui, c'est vraiment bon. On va le brasser une première fois. Et ça peut même, tu peux même, quand vous allez le mettre au congélateur, ça fait comme des bonbons durs, si vous voulez. Mais à la minute que tu le sors, que tu refroidis, tu peux le prendre plus facilement aussi. Hein. On remet un autre 90 secondes. Là, t'en profites parce que...
C'est délicieux. C'est délicieux. Comment? Hey, ça va super bien. Ça me donne le goût, mais ça va me coûter. Oh Seigneur, non, Marie-Josée, si tu fais du diabète, va pas là-dedans. Parce que Seigneur, je pense que la quantité de sucre qu'il y a là-dedans, et boy. C'est vraiment pas une recette pour toi. C'est vraiment pas une recette pour toi. Parce que, écoute, il n'y a que du sucre. C'est complètement hallucinant. Et je vous le dis, si vous n'êtes pas accro, ça va devenir quelque chose que vous êtes accro. Hey, allez marquer dans les commentaires quelle est votre recette préférée que vous faites aussi à la maison. J'aime ça avoir vos idées de recettes. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Allez marquer quel genre de recette tu fais. Ah, ça, là, j'y arrive jamais. Je vais vous la faire, la recette. Dites-moi-le. Allez marquer dans les commentaires quelle recette vous aimeriez voir apparaître. Parce que le but, c'est de vous plaire, là. Le but, c'est de vous amener quelque chose que tu fais. Oh, ça, j'aime ça. Attends, pourquoi j'ai oublié d'aller brasser? Faut pas oublier. Parce que ça va le déborder. Fait qu'en attendant, marquez-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir en live. Sucre à crème. Oh, j'ai jamais fait de sucre. J'en ai une recette de sucre à crème là-dedans. Parfait. Je note ça. Sucre à la crème. Oh, c'est vraiment bon. Alors, hein? Vraiment bon. Hey, là, on est rendu à presque 2 tirages de 100 pour 40 sur Bureau Tupperware Les Diamants. On est rendu à 46 commentaires, gang. On continue, on lâche pas. Quelle recette aimeriez-vous voir du fudge? Oh! Tellement, Nancy, parce qu'en plus de ça, je vais pouvoir t'en faire la semaine prochaine. Je vais vous faire du fudge tellement. Parce que la recette de fudge, elle est hyper facile à faire. Ensuite de ça, hey, on est rendu à... OK, yes sir, sur Bureau Tupperware Les Diamants, on a 2 emballages à faire tirer. Wouhou! Hey, il manque 5 commentaires sur le mien et on fait tirer un bel emballage cadeau. Let's go, gang! Roxane a dit, moi, j'ai déjà fait un rôti de porc dans ma Tupperware parce que mon four m'avait laissé tomber. C'est tellement rapide, hein? Roxane, envoie-moi ta recette parce que je voulais justement en faire un en plus. J'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, Marie, j'aimerais ça avoir une recette de rôti de porc. Et là, ça s'en vient. Ça commence à sentir le ciel, gang. On leur brasse une dernière fois et ton caramel va être fini. Moi, du sucre à la crème. Et tu sais, on disait, justement, merci Martine, à l'instant même, tu marques. Tu sais, des fois, on cherche des cadeaux à donner, on cherche des idées. Pour vrai, là, faites du fudge, faites du caramel. Et ça, c'est merveilleux pour les faire couler dedans. Ça va nous faire des beaux petits bâtons. Vous donnez ça dans un garde spaghetti. Faites de donner des cadeaux qui ont un sens, des cadeaux qui ont une valeur, OK? Vraiment, je vous le dis, c'est fou. C'est fou parce que là, les gens, ils vont faire, « Hey, elle a pris le temps de faire ça pour moi. Elle a pris le temps de faire ça pour moi. » Pour vrai, êtes-vous d'accord que c'est ça qui est cool quand on a ce genre de rapport-là avec les gens et non pas à m'acheter quelque chose au Dollarama. Même des fois, si vous avez des cadeaux qui valent plus d'une centaine de dollars, tu sais que la personne, elle a juste comme fait venir et elle n'avait pas le temps de magasiner. Fait que c'est pas pareil, c'est pas la valeur de l'argent, c'est vraiment ce qu'on donne, ce qu'on a mis comme temps. Et là, on a Joanne qui me dit, le cuillère, on met-tu le couvercle? Oui, on fait le couvercle. Et tu peux te faire, Maryse, je suis à me faire un œuf McMuffin. Oui, vas-y, mets ton couvercle, Joanne. Une minute par œuf. Et Colette me disait aussi qu'en brassant, ça répartit la chaleur dans le caramel. Fait qu'on s'assure que ça cuit aussi à la perfection. Et c'est le dernier moment. Hein? C'est le dernier moment. Après, vous allez le voir. Oui, puis j'aime ça parce que il y a tellement de commentaires. Vous êtes hâte! Ça vaut bien plus la peine de le faire. C'est simple et facile, justement. Merci, Nancy. Hein? Parce que c'est le fun, justement, de dire, « Oh my God, là, je vais faire du fun, je vais faire du caramel. » Fais fondre du chocolat blanc là-dedans. Fais-les en bâton. Tu sais, moi, je détestais faire à manger pour ceux qui me connaissent. Et regardez, aujourd'hui... Ah oui, elle dit, il y a de la neige. Il y a toujours de la neige ici, Nicole.
Moi, je suis à Saint-Zénon, dans la Naudière, puis ouais, il y a de la neige. Je pense qu'il n'y a pas de neige chez les gens. Tout le monde fait, je vois de la neige, je vois de la neige, regardez. Magnifique, hein? Mais au moins. Ce que j'aime de Saint-Zénon, ici, c'est le paradis de la motoneige. Si vous cherchez un endroit pour faire de la motoneige, là, c'est vraiment la place à venir parce que cette place-là ici, le tourisme européen, le tourisme américain viennent ici. Au moins, je me dis, c'est le fun parce qu'on peut profiter de l'hiver. Ici, là, déjà, mon chum a sorti le skidoo puis il l'a amené en avant. Pas prête tout à fait à faire du skidoo, mais je vous jure que ça sera pas long. Hein? Fait au moins, on peut profiter des sports d'hiver. Tu sais, ici, le 4 roues, le skidoo, rapidement, on peut en profiter, aller glisser, aller patiner. Au moins, je me dis, l'hiver, on peut faire quelque chose. Sinon, c'est long, c'est plate. Mais là, en fin de semaine, je fais toutes mes décorations. Marquez-moi, qui a commencé ses décorations? Hey, je suis arrivée pour faire mes décorations l'autre jour. Et, my goodness, j'avais 2 sets de lumière. Il y en a un qui marchait à moitié. Hey, je dis, on repassera pour les grandes illuminations. J'avais comme plus rien pour faire mes décorations. Je suis allée chez Canadian Tire en fin de semaine. Et ta boy, là, je te jure que ça va s'en venir. Et là, je veux aller... bonjour, est-ce que tu peux faire geler le lait Ego Brand? Linda, c'est une bonne question. Es-tu capable? Quelqu'un qui est capable de répondre à ça? Parce que j'ai comme, je ne sais pas, puis je veux pas vous raconter n'importe quoi. Ah, moi, j'ai commencé aujourd'hui les décorations. Hey, moi aussi, ça commence en fin de semaine. Moi, je l'ai fait dehors à moitié. Il y en a plein qui l'ont. Non, pas encore en fin de semaine. Je fais ça ce week-end. Je pense que c'est vraiment comme le week-end pour les faire. Hein? Bien, y en a-t-il qui savent si on pourrait faire geler du lait Ego Brand? Oui, ça se gèle. Merci, Martine. On a notre réponse. Oui, parce que des fois, le lait Ego Brand, ben, si je vais avec ce que ma belle-mère me dit, gagne, ma belle-mère, elle me dit toujours tout se jette. À part les affaires qui ont de la crème dedans, je dirais que souvent, tout se jette. OK? Et là, regardez. Ah, checkez bien ça. Oh my God. Oh, regardez la texture parfaite. Oh, c'est vraiment, vraiment beau. Regardez, je vais vous l'approcher pour que vous voyez. Oh, regardez. Nicole, on fait encore le caramel parce que j'ai tout donné celui que j'ai fait. Puis mon garçon, il était frustré parce qu'il disait, mais là, t'as tout donné le caramel. Tu m'en referas pas, gna gna gna. Et là, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans les moules ici. Regardez bien. Et on va l'envoyer au congélateur. Pour faire des beaux petits bâtons. Hey, c'était... Oh mon Dieu. Okay, là, on ne peut pas le licher pour l'instant là, parce que vous allez vraiment intensément vous brûler la bouche. Mais regardez ça. Quelle bonne idée. Hein? Qui est d'accord avec moi? La dernière fois, je n'ai pas pensé de faire ça. Ça, si vous voulez des moules à graissin, il faut vraiment que vous veniez sur mon groupe parce que vous pouvez en acheter. Quel beau cadeau de Noël d'y donner le petit moule comme ça. Et en plus de ça, vous pouvez faire des bonbons là-dedans. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Et là, on va juste égaliser. Regardez ça avec la spatule si ça va bien. Oh, oh. Hein? On va égaliser notre caramel. Lui, on va en verser dans l'autre à côté. Il fait pitié. Et là, on va tout mettre notre caramel comme ça. Et on va l'envoyer au congélateur. Ça va prendre à peu près, je vous dirais, ça prend à peu près comme 2-3 heures là, avant que ça fiche complètement. J'ai l'impression d'étendre de la tire comme à Noël. Oubliez pas de partager, gagne! Hein? Parce que des recettes comme ça, tout le monde capote là-dessus et tout le monde les achète. On veut arrêter d'acheter des affaires qu'on peut faire à la maison si facilement. Et là, j'adore cette spatule-là. Je ne sais pas si vous l'avez, là. Hey, pour qu'on fasse tirer plus de cadeaux, allez juste me marquer c'est quoi votre produit préféré. Moi, j'aime ça que ça coûte un bras, Maria. On veut que ça coûte un bras, hein? Je n'ai pas trouvé votre recette de caramel. Tu ne l'as pas trouvé, Nicole? Ben écris-moi, Messenger. Ben, là, je vais la remettre sur le VIP. Sinon, vous l'avez en plus de ça. Je crois que dans mon nouveau livre de recettes, la première édition, je crois que je l'ai mis dedans. Et ça va être que la première édition parce que j'ai tellement de recettes pour vous qu'on va faire un autre livre, c'est sûr. Ça, c'est juste la première édition.
Simplifions la cuisine avec Maryse Belleville. Ouais! On veut contaminer le Québec au complet de recettes hyper simples pour que les gens retrouvent. Ma job à moi, là, c'est de vous donner le plaisir de faire à manger. Je veux que vous retrouviez le plaisir de faire à manger. Hélène a dit, c'est quoi la recette? C'est du caramel qu'on est en train de mettre. Avouez que ça a l'air vraiment bon, hein? On a presque fini. Et ça, c'est une recette comme ça, là. Faites-en, tu sais, tant qu'à faire, moi, je vais en refaire une autre. Puis mes cadeaux, proche des fêtes, on est tout le temps dans le rush. Puis là, je sais que je passe out, puis je rush pour faire les cadeaux. Fait que cette année, je vais les faire, tu vois, tout de suite. Je vais les congeler. Je vais tout de suite, parce que c'est du caramel, là. Dans un mois, on s'entend que ça va être en masse, en masse, en masse bon. Et, oh mon Dieu, on va se boire à face. Bon, cette batch-là, c'est sûr qu'elle va être pour Jacob, là. Parce que si je dis qu'il ne peut pas y toucher parce que c'est au prof, il va même arracher la tête, là. Puis vous pouvez mettre ça sur la crème glacée, partout, là. Partout, 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 hein? Le hachoir, oh mon Dieu, le hachoir. J'en ai trois, Marie-Josée. Peut-être qu'il y en a qui font un, t'en as trois? Ouais, madame. J'en ai trois parce que je m'en sers au moins à tous les repas. À tous les repas. Je veux ce livre-là vendu. Hein? Il y en a plein qui veulent le livre de recettes. N'oubliez pas de rejoindre le groupe que vous avez juste au-dessus. Et là, ça a tombé. J'ai pas même le choix de le manger. Hein? Regardez ça. Les beaux petits bâtons de caramel. Je vais vous prendre une photo et vous allez pouvoir la voir. Ceux qui veulent la recette, elle est gratuite. Elle est sur mon groupe. Je vais aller vous la mettre à l'instant même pour que vous puissiez la chercher facilement, l'avoir facilement. Alors, n'oubliez pas de rejoindre le groupe. Vous allez pouvoir avoir cette recette-là et des tonnes d'autres. Là. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres. Parce que c'est des recettes comme ça qu'on veut. Puis avec le livre, ben c'est le fun parce que vous n'avez pas besoin de chercher sur Facebook. Puis bon, et où la recette que je voulais? Que Jacob, Guillaume dit, Jacob va être content. Ben oui, là, tu sais, une bonne momie. Je dis, je ne le ferai pas attendre trop longtemps. Je vais le faire sur Bureau Tupperware, les diamants en plus. Martine a dit, quelle belle recette. Recette, hein? Tellement facile, tellement simple. Toutes les raisons sont bonnes pour se licher les doigts. Mais non, mais tu peux pas gaspiller ça, du caramel, j'en parle. Hein? Martine a dit, c'est sûr que je la fais. Je vous le dis, hein? Allez sur le groupe et vous allez pouvoir l'avoir avec un grand, grand, grand plaisir. Alors, il nous reste maintenant, quand peut-on acheter le livre? Il est à l'imprimerie. Ils m'ont dit que c'était 2 à 3 jours. Alors, c'est sûr que la semaine prochaine, il va y avoir la prévente sur le groupe parce que ce livre-là est uniquement pour les membres du client VIP. Fait que dépêchez-vous de le rejoindre pour faire partie de la prévente. Comment je fais pour rejoindre les recettes? Hélène, tu as le groupe juste au-dessus et vous allez dans... sur le groupe, là, pour tout avoir les recettes facilement, vous pouvez faire soit hashtag recette sur le groupe. Là. Faites pas ça tout de suite pendant le live, là. Ça marchera pas. Tu vas voir, ça marche pas. Allez sur le groupe, marquez hashtag recette ou vous allez dans contenu multimédia sur un PC, vous allez dans contenu multimédia, album et vous allez avoir les recettes toutes classées par mois en plus, si vous le voulez comme ça. Sinon, il y a le livre de recettes qui est beaucoup plus facile et accessible. Vous avez quand même 10 recettes pour 10 entrées. Vous avez 15 recettes de repas principaux et vous avez 10 desserts. Fait que ça vous fait un livre de plus de 35 recettes et il va être en pré-vente cette semaine. Ah, j'ai tellement hâte, il est tellement, tellement, tellement beau. Alors, vous avez 3 en lien, j'ai pas vu. Oui, qu'est-ce que t'as marqué? Je dis, hey, je suis deux Facebook en même temps, fait que je les vois pas tout. Qu'est-ce que tu m'as marqué? C'est super le fun sur le groupe. Merci, Joanne. On a même des gens de l'Alberta avec nous. Joanne reste en Alberta. On a des gens d'Ontario. On a des gens de partout, partout, partout sur le groupe. Et là, en plus, je viens de m'inscrire à des cours d'anglais. Parce que je veux que mon anglais soit aussi facile que mon français. Je veux rejoindre autant les gens. C'est quoi ton livre de recettes? Ben Marie-Josée, il va avoir 35 recettes. Toutes des recettes super faciles comme je viens de vous faire aujourd'hui. Moi, je déteste me casser la tête en cuisine. C'est pas pour rien que le livre s'appelle « Simplifions la cuisine avec Maryse Belleville ». OK? Je pense que vous allez triper. Et là, on fait les tirages? Avant de faire les tirages, n'oubliez pas, vous avez, s'il y a des choses aujourd'hui qui vous ont allumé et que tu fais « Ah, je les veux! » OK? Ben vous avez le lien pour aller vous abonner. Premièrement, si vous n'avez pas le super pot, c'est quelque chose que dans votre mode de vie, pour simplifier le temps de la cuisine, ça prend vraiment ça, pour mon avis à moi.
Vous avez le lien pour l'acheter à 25 %, OK? Ça, c'est vraiment, vous magasinez et vous avez le lien tout à 25 % minimum. Mais là, s'il vient en spécial, en plus, tu vas appliquer ton 25 % sur le spécial. Et vous avez le deuxième lien qui est de magasiner sur mon Amazon. Alors, tu dis, moi, non, moi, je veux juste passer une commande, je vais la recevoir chez vous. Dans les deux cas, vous les recevez directement chez vous. C'est ça qui est merveilleux. Et pourquoi pas faire vos cadeaux de Noël directement là-dedans? Allez direct sur votre mon Amazon ou allez rouvrir votre Amazon, magasiner dedans. Fait que vous avez les deux liens juste au-dessus et le lien du groupe. Perfect is very good to explore more. Oui, aujourd'hui, là, à 2 h, j'ai une entrevue avec l'Institut linguistique pour faire comment « you » mon anglais. Fait que là, ils vont me donner le programme à adapter. Parce que si je fais pas ça comme ça, je le ferai jamais. OK? Je le ferai jamais. Lis mon commentaire, sinon tu vas encore le rater. Judith, my goodness! Là, je gère les deux places en même temps. Fait que oui, effectivement, je l'ai manqué encore, Judith. Ah, ça a tellement été vite. Il y a eu 6 commentaires le temps de le dire. Hein? Alors, oh my God, on est à 105 commentaires sur Bureau Tupperware Les Diamants. Ouh, on aime ça. Alors, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager sur votre profil personnel pour qu'on aide le plus de gens. Avec Marie, ça a toujours l'air bien. Merci, Judith. Merci, Judith. Vraiment. Et beaucoup de gens me partagent. Ben, tu sais, Marie, j'ai réappris à faire à manger. J'ai réappris à me servir de ce que j'ai chez nous. Puis c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Hein, tu fais bien. Ben, vraiment, tu sais, ça vaut la peine. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde. Puis je veux, parce que je veux mon anglais, pour par respect d'une langue, je pense. Hein, on veut protéger le français, mais tu sais, l'anglais, les deux langues, c'est vraiment important de, je pense, bien les maîtriser. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Pour, on va aller simplifier la cuisine partout à travers le Canada. Wow! OK! Alors, je m'en vais faire les tirages, je gagne. Je vais juste me prendre un papier crayon. J'ai oublié. Alors, je vais rapprocher mon téléphone. Comme ça, je vais pouvoir faire les tirages. Et vous voyez encore mieux le caramel. Regardez ça. Regardez, ça a déjà commencé à figer. Mettez des petits cœurs! Alors, ça va super bien, ma belle Lynn. J'ai décidé de refaire du caramel à Jacob là, pour pas qu'il trouve un autre mère. Alors, j'y vais sur Bureau Tupperware Les Diamants. On a 4 tirages à faire sur Bureau Tupperware Les Diamants. Et le premier, c'est Mireille Boularis. Mireille, ouais! Je vais aller vous mettre dans les commentaires. Vous chercherez l'affiche pour que vous puissiez aller récupérer votre emballage. Si vous êtes, vous devez vous-même communiquer avec le Bureau Tupperware Les Diamants. Vous devez dire « J'ai mérité un emballage » sur le live de Maryse. Et automatiquement, vous allez faire votre... Ils vont vous allez l'adresse du virement. Vous dites si vous voulez un shipping ou pas. 50 km et moins, vous pouvez aller chercher directement au Bureau d'Anjou. 50 km et plus, eh bien, vous devez, vous pouvez demander une livraison. Fait qu'on continue. Et on a Linda Doré. Wouhou! Lina Doré. Ensuite de ça, on a Martine Daigle. Ouais! Allez dans les commentaires, marquez bravo à tout le monde, gagne. Alors, on a Martine Daigle. Pas je me trompe, hein? Et on a un dernier. Ouais! Fou! Et on a on est encore tombé sur toi, Martine. On a-tu vraiment donné 2? On en fait 1. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Alors, on en fait un dernier. Et on est rendu à Chantal. Allez, ouais, Chantal. Alors, les noms que je viens de nommer, c'est sur Bureau Tupperware Les Diamants. Martine Boularis, Lina Doré, Martine Daigle et Chantal Allé. Eh bien, vous pouvez communiquer. Je vais tout de suite vous mettre le lien parce que voici le lien pour récupérer vos emballages. Parce que je veux que vous puissiez les trouver. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Je ne sais pas comment, je ne sais pas où. » Allez vous le mettre.
J'ai été trouver pour vous autres l'image parce que je veux que vous puissiez avoir... Hey, bonjour Josée! Hey, on a plein de monde! Bonne journée, ma belle Joanne! Là, il y en a qui connaissent mon chum, qui l'ont vu. Lynn a fait dire bonjour Olivier! Il dit hello! Et j'ai juste ici, je vais vous la... Je l'ai... Hey, qu'est-ce que vous faites ce week-end, gang? Moi, ça va être vraiment les décorations, je pense. J'ai un peu de retard aussi. J'ai plein de commandes dans mon auto. Fait que je vais aller... OK. Ça. Pourquoi j'arrive pas à mettre... J'arrive pas à mettre l'image. Je vais figurer comment mettre l'image. Hein? Salon du livre. Hein? Chantal va avoir une maison. Oui! Je travaille. Bon, là, j'arrive. Là, j'ai marqué « Voici le lien pour récupérer vos emballages. » Mais je suis pas capable de mettre une image. Je comprends pas pourquoi je ne suis pas capable de mettre une image. Attendez. Je vais faire un outil capture. Je vais essayer de vous trouver ce que je veux que vous puissiez avoir facilement. Ah, j'ai pas toute l'image. Ah, ben je vais vous le mettre après. Hein? Je vais vous le mettre après. Décoration samedi, préparation dimanche. Yes, sir! Je vais voir le show de Bianca Lompré, Mère ordinaire, et je vais arrêter au Salon du livre pour voir notre chum à Sabrina. Ah oui! Martin est en Salon du livre en fin de semaine. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Ils sont tellement bons, ces livres, en plus. Alors, oh my God, on est rendu à 88 commentaires sur mon perso. Let's go, gang. Moi, j'aimerais ça aussi faire 4 emballages. 4 emballages. Alors, sur mon personnel, let's go, let's go. On en fait tirer. Hey, là, il manque juste 10 commentaires. Allez-y. 3 emballages cadeaux sur mon profil à moi. Et le premier, c'est Mélanie Pichet. Wouhou! Mélanie, écris-moi. Et dis-moi, Marie, je viens de gagner un emballage de 100 pour 40 si tu le veux. Et on peut les accumuler aussi d'une semaine à l'autre. Alors, le deuxième, c'est Joanne. Joanne, en plus, toi, t'en as un de la semaine passée. Fait qu'on pourra les mettre dans la même boîte. Alors, bravo à Joanne. Et là, on est rendu à 99, il en manque un. Ouais, j'aime ça, les commentaires. Ça fait de l'action. Et on a Sylvie Leblanc qui dit « Oups, je viens de constater que j'ai pas de sirop de maïs. » Et on peut en faire, en plus de ça, un quatrième. Ouais! Parce qu'on est rendu à 105. Vous êtes trop hot. Vous êtes trop hot. 100 commentaires. Alors, on y va et on en fait un dernier. Et c'est Nicole Bourgeoin. Bravo, les amis. Alors, pour ces 4 personnes-là, super important de m'écrire. Et comme ça, je vais pouvoir vous donner votre 100 pour 40. Et on a Nicole qui nous dit « Première fois que je vois un de tes lives. » Hey, bien merci Nicole. Moi, tu vas voir avec moi. J'espère que tu as aimé. On a fait aujourd'hui du caramel. Et moi, c'est très, très, très simple. Fait que si tu as envie de partager notre groupe, ma passion qui est de faire à manger maintenant et de vous donner envie de le faire, ben tu peux rejoindre notre super communauté. Ce qui est le fun sur mon groupe, ce que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup de gens partagent plein de choses de leur expérience à eux aussi. Fait que c'est le fun, c'est pas juste un one-man show, comme on pourrait dire, mais tout le monde partage un petit peu ses découvertes, ses impressions. Je les encourage à le faire aussi, vraiment, vraiment. Alors, un gros merci tout le monde. Je vais vous montrer, je vous montrerai le résultat un coup que mes bâtons vont être prêts pour que vous puissiez le voir. Alors, je vous souhaite une belle journée, hein? Vraiment, vraiment. On fait tous à manger à cause du monde comme Marie. Ah, merci, je dis vraiment. Alors, je vous souhaite une magnifique fin de semaine, hein, tout le monde. Magnifique fin de semaine. Et on se revoit pour Bureau Topper 1 les Diamants vendredi prochain à midi. Et sur mon profil à moi, ben on se voit tous les jours. Bye bye tout le monde. Bonne journée.